Colorie le dessin si tu entends le son S. Poisson. En confinement, Isabelle Israël doit aider son fils Gabin, 6 ans. Pas facile de s'improviser institutrice pour cette responsable en recrutement. La maîtresse nous envoie tous les jours des devoirs à faire et le programme est dense et c'est très compliqué en tant que parent puisqu'on est en télétravail. Dès lundi, elle va pouvoir s'appuyer sur cette institutrice. Plutôt inhabituel pour Laure Brémond de passer en loge maquillage. Mais pas le choix, désormais elle fera classe devant des millions de parents et d'enfants, les téléspectateurs de France Télévisions. Je m'imagine en fait en classe, donc du coup je visualise mes petits élèves à qui je passe le bonjour. Et voilà, donc du coup ça me permet de me déstresser. Enregistrement de cours de mathématiques pour les CPCE1. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur France 4, tous les jours à 9h, cours de maths et de lecture pour les CPCE1. Puis à 10h, place au préscolaire. À 14h, français et maths pour les collégiens. Plus de matière encore pour les lycéens à 15h. Ici, cette autre enseignante se prépare. Au programme, l'apprentissage de la lecture pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. C'est un moyen efficace, je pense, je l'espère en tout cas, pour aider ces élèves-là et éviter qu'ils décrochent totalement et puis que les familles puissent avoir un support pour pouvoir les aider. Des programmes assurés par une vingtaine d'enseignants, ainsi qu'un magazine éducatif, La Maison Lumni, disponible également sur nos plateformes en ligne. Maintenant, on va rencontrer des doubles. Alors voilà la situation.